Alors, on va passer du coup à quelles énergies ont été intégrées ce soir. Qu'est-ce qu'on a mis à jour dans la structure? On a parlé de faire son devoir familial. Ouais, ok. Donc, en gros, on a parlé de peur de l'autre, du pouvoir égale les émotions, de peur de l'extérieur. Donc, le groupe de ce soir, on était vachement sur une notion d'action depuis le début de la soirée. C'était une question d'action qui était bloquée par le fait de devoir faire son devoir familial. Un rapport pardon, aux règles, à l'autorité qu'on plaçait à l'extérieur et qu'on refusait d'avoir en soi, en gros. Ensuite, l'autre frein à l'action, ça a été le plaisir, les émotions, la créativité compulsive, le fait d'aller dans des actions sans réfléchir, sans réellement se poser, rentrer, comme je l'ai dit à Jérém et Leïdji, dans une notion de processus, dans une notion de je me nourris de qui je suis à travers chaque chose, chaque choix. Alors, l'expression, pas mal l'expression de soi en fait, la peur de l'extérieur, ouais, c'est ça. On a été dans un groupe, dans des énergies. Les énergies qui ont été intégrées ce soir, c'était vachement la peur de l'extérieur, par exemple. Donc, donc le groupe est très. Donc, on a intégré cette info, hein, est très dans je m'enferme dans un intérieur, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit dans des constructions psychiques, que ce soit dans des règles familiales, mais en tout cas, on s'enferme à l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'extérieur est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Ouais, ok. Pourquoi? Parce qu'on a peur de sa propre valeur. On s'enferme à l'extérieur, à l'intérieur, pardon, parce qu'on est en colère contre la vie et on a peur d'avoir une action dévastatrice. Donc d'une action dans la matière, dans le quotidien. Parce qu'on associe toute action à l'extérieur comme étant dévastatrice. Et surtout, par rapport à ça, on y trouve du plaisir d'être dans une action. Mais du coup, comme au niveau du plaisir, des émotions, on en a honte, parce que du coup, ce qui est en galère derrière, c'est le rapport à la mère qui code le rapport à sa sécurité intérieure, le rapport aux émotions, le rapport à la reconnaissance de soi et à l'image qu'on a de soi-même. Une des clés qui ont été dites ce soir, c'est que les émotions, le principal, c'est d'aller voir quelles émotions j'ai dans l'action? Quel est le processus que je connecte dans l'action? D'accepter d'avoir des buts, des objectifs, sans s'enfermer dans une rigidité, sans s'enfermer dans la rigidité de son esprit. Alors, il y avait quoi aussi? Il y avait la notion de tâtonnement, donc d'échec, de réussite. On a touché quoi aussi? La notion de masculin sacré, de féminin sacré, donc le pouvoir du féminin, le pouvoir du masculin, la notion de sorcière pour les femmes, de soumission des femmes. Donc il y a eu des informations d'intégrer là-dedans. Ah oui, on a aussi été mettre à jour la notion de positionnement et d'affirmation de soi. Ça c'est bon. On a vu l'argent, l'abondance. Ah oui, autre information pour le groupe, c'est que l'humain est la clé. Ce que je disais à un moment donné dans le webinaire, c'est que ça sert à rien de trouver son chemin de vie dans son esprit ou dans la spiritualité. C'est uniquement dans l'action que le chemin de vie existe. On est bien là pour acter sa liberté, pour choisir. Croyance, c'était quoi? Est-ce que ah oui, par rapport à l'argent. L'argent, c'est hyper spirituel, hein, on est d'accord. Donc, arrêtez d'associer l'argent à sa valeur. Arrêtez d'associer quoi que ce soit d'extérieur à sa valeur. Parce que rien de ce que l'on produit comme choix, comme projet, comme parole, comme action, ne définit notre valeur. La valeur, c'est quelque chose qui se passe entre soi et soi-même. Personne d'autre. Et sur ça,
On a intégré qu'on était, on a, enfin, on a intégré. On était sur une notion qu'on était toxique pour l'extérieur et donc que c'était une raison suffisante pour se couper des autres. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis, je vous souhaite un bon week-end en avance et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.